La Corée du Nord serait-elle sur le point d'utiliser ses missiles contre la Corée du Sud ou les États-Unis ? Un deuxième engin de moyenne portée aurait en tout cas été transporté sur la côte orientale nord-coréenne ce vendredi et installé sur un véhicule équipé d'un dispositif de lancement. Un missile d'une portée théorique de 3000 km qui aurait la capacité d'atteindre la Corée du Sud ou le Japon. En début de semaine, le ministère sud-coréen de la Défense avait déjà confirmé l'installation d'un premier missile sur la côte par Pyongyang. Des sources militaires sud-coréennes redoutent des tirs le 15 avril prochain, date anniversaire de la naissance du fondateur du régime communiste nord-coréen. Américains et sud-coréens sont sur les dents. Séoul et Washington se préparent à contrer toute manœuvre offensive de Pyongyang.